Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure de Resident Evil 8 The Village Life sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! On voit où ça nous mène. Ah, il y a une porte là, ok. Je
crever ta garantie. Tu as de la chance, Ethan. À parvenir au temps, tu es la seule personne à m'avoir vu sous cette forme. Malheureusement, tu vas le payer de ta vie.
Je pense que je peux trouver un peu la touch. Faut tirer le monstre dans les airs avec le snipe et ensuite la tirer à coup de shotgun. Salut Gabifou. Oh, yes, sir, Dimitri. Parle pour toi, ma grande. Non, parle pour moi aussi. Si. Oh non, j'aurais pas dû toucher ça tout de suite. Un peu avant, peut-être quelque chose. Hey Gabi.
et fabriquer l'objet qu'on m'avait demandé. Par la grotte et traverse les ruines jusqu'au village. En arrivant, tu devras voir une maison avec une cheminée rouge. Apporte-la là-bas. Maison avec une cheminée rouge. Maison est bleue, c'est-à-dire qu'elle est terminée. Bon, ça va, mon Gab, Gabi? Ça va, merci, oui. Unis ensemble dans la prière, nous vous demandons, depuis les ténèbres infinies, de nous guider vers notre destin. Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires, nous attendons la lumière salvatrice dans la vie et la mort. Gloire à Mère Miranda. Hé, hey, vous vous souvenez de moi? J'ai failli mourir dans ce château. Maintenant, dites-moi ce qui se passe ici. Comment un homme peut-il faillir à son destin? Cela mérite réflexion. Vous m'avez très bien compris. J'ai toujours pas trouvé Rose. Où est-ce que Miranda l'a emmenée? Tu arrives trop tard. Ou tu as failli arriver trop tard. L'enfant sera sacrifié. Une vie pour une vie. Mais c'est quoi ces conneries du Moyen-Âge? C'est qu'un bébé? Les emblèmes des quatre lignées ouvriront peut-être la voie que tu cherches. J'ai pas le temps là pour les aider. Le signe d'Umbrella en bas. Dites-moi où est ma fille. Ce n'est une énigme que si tu ne connais pas la réponse. Attendez, ça me dit quelque chose. Hé, hey, revenez! Ah, j'ai zéro problème, ça me stresse pas. C'est juste mon problème, c'est que j'agis bizarre quand j'en prends. J'en prends trop. De mieux que ça arrive pas. Probablement mettre l'objet là-dessus. On essaie de voir si on trouve quelque chose. Ah, voilà. Ça
une vie en bas. Mais c'est bien de faire ça, on est bien. Et c'est pas là. Faut partir à l'endroit qu'on a vu finalement. Putain, éventuellement on va trouver quelque chose pour insérer là-dedans. Non! Traverse pas tout de suite! Ah. C'est ça, on peut revenir. Non, mais c'est ça qui est ça.
maison avec la cheminée rouge. Vous voilà. Je me doutais que vous passeriez par ici. Le marchand. Ça servit à rien. Vraiment? Je suis sûr que vous avez récupéré quelque chose de précieux. Je sais pas ce que ça vaut, mais... Eh bien, c'est votre fille que vous tenez entre vos mains. Qu'est-ce que vous dites? Regardez de plus près. Wow. La tête de sa fille. Ce bocal semble contenir sa tête. Non. Non. C'est... Rose et... Putain, fermez-la! C'est impossible. Je crois pas. L'esprit de votre fille est toujours intact. Ses pouvoirs sont vraiment uniques. Qui ferait une chose pareille? Elle peut être sauvée, vous savez. Sauvée? De ça? Mais vous êtes malade. Il y a une maison avec une cheminée rouge dans la partie ouest de ce village. Allez trouver l'homme qui y habite. Nous pourrons alors poursuivre cette conversation. Non, si vous savez quelque chose... Dites-le maintenant! Vous n'êtes pas obligé de me croire, bien sûr. Mais avez-vous d'autres options? C'est vous qui voyez. Le client a toujours raison, après tout. J'espère pour vous que c'est pas des conneries.
Personne ne décrit la maison en face, celle de la cheminée. Je compte aller voir ce qui se passe, mais avec tous ces débris qui bloquent le chemin, il va falloir que je fasse un grand détour. Qui aurait cru que ce trou béant dans le mur de l'étable me servirait un jour, si jamais. Tiens! Comment ça va, soldat? Ça fait longtemps. Qu'est-ce que ça fait ici? Bon, ça va, soldat? Black ring. De numéro. Regarde par la fenêtre. Ah, 04. Ah, si, voilà, calice.
Oh, Lise, regarde par la fenêtre. C'est-tu qu'ils sont sales? 07-04-08. Et voilà. Oh. Si j'en ai plus, fuck. Perfectionne de quoi là. On est bien. Ouf. Moi qui me plante. Oh.
Ah! Oh, je pense dessous. Et un tabarnak. C'est le fusil automatique. Semi-automatique. Je prends une débat. Pas que je vende un fusil, je vais pas être tous ces fusils-là. Pièce que j'ai manqué. Est-ce que tu joues dernièrement, soldat? Ça. Le marchand est là-bas ici. Je vais tourner sur mes pas parce que je peux pas aller là. Ben je peux, mais c'est que... C'est pas là que je vais aller tout de suite, je vais aller vendre l'objet. Non, avance, qu'est-ce que tu fais?
franchement, je l'ai. Je vais vendre ce gun que j'ai dans les mains, je vais pouvoir me faire des balles. Salut, gros. Naturellement. Jetez un coup d'œil à mes derniers articles. Salut Soso, comment ça va? Oh, je vends. Je vais pas acheter. Oh. Oh, dame Dimitrescu. Belle même dans la mort. Ce tour de taille, oui. Vous avez assez de regarder. Puissance de feu. Une bonne affaire, si je puis m'exprimer. Je l'ai mis, c'est lui, je vends, je gardais le M19. À votre service. Ça va, Soso? Pas d'inquiétude, vous pourrez toujours me racheter ça. Bon. Okay. Prévenez-moi si vous trouvez autre chose de valeur. Ok, j'ai les balles. Allez-y, n'hésitez pas à acheter un œil. Vous avez assez de puissance de feu? Si vous voulez, je peux encore améliorer vos armes. Laissez-moi faire. Je suis plus habile de mes mains qu'on pourrait le croire. Ah. Revenez quand vous voulez. Oui, je suis là. Ah, oui, oui. C'est un plaisir de devoir jouer à Resident Evil. Ça fait longtemps. 10 000, ça c'est pour... Ah, je vois que vous avez l'œil. Je peux modifier toutes sortes d'armes. Bonne journée. Bon, j'ai plus de place. Bas, naturellement. Je vois. Autre chose? Seul de crime puis seul domaine. Il y a deux soldats dans la place. Je peux modifier toutes sortes d'armes. Merci de votre visite. Non, j'ai joué aujourd'hui là, mais là j'ai envie de jouer à autre chose. Ça m'a coûté 3000 pièces pour 3 balles. C'est le vrai soldat, je t'écris. Thank you.
Tiens! J'appuie sur ça. Hasta la vista. Oh, yes. Voilà. Pour déverrouiller. Dormir sous la disparition du propriétaire. Volant du puits. Ah, le puits. Oh. Ok, ouais. Pas fini encore. Là. Fini?
Ah. Là, c'est fini. La salle est bleue, c'est-à-dire qu'elle est vide. Le tour de la maison pour voir. Je peux monter par ici. Non. Ok, ouais, va à gauche. Tu l'as, tourne à droite. Et voilà. Accroche-toi, là. Accroche-toi, il y en a... Il y en a ici. Oh, des balles de quoi? Puis-je? Ah, je sais, il y a un morceau de cochon. Ok, bon. Ah, oui, oui. J'adore Gaspar. Merci pour cet achat. Et j'ai tout acheté qu'est-ce qu'il a acheté. Obtenir de la marchandise et... Ah. À la prochaine fois. Ah.
Ouais, attends. Ah, oui, oui. Cache ta bédaine. Très bien, j'achète. Ah, vous savez, c'est vraiment parce que c'est vous. Je vais avoir beau vos 15 000 à cette heure. Je vais attendre. Regarde ça. Manger, c'est vivre. Prévenez-moi si vous trouvez autre chose de valeur. Donc c'était tout pour cet épisode du Caribou Canadien Live sur la chaîne de Resident Evil 8. Oh yeah!